Vous envoyez le bout? Vous envoyez le bout? Je sais pas si j'ai une petite question. Je pense. Non. Non, non, non. Moi, par contre, on me voit comme jamais, mais. Allez, Dredge. Bon, je vais pas lancer. Sauvegarde automatique. Hop, nouvelle partie. Pêcheurs. Il s'est loupé là, il s'est pris des falaises. La grande moelle. D'accord, ok, ils m'ont retapé le bateau. Un petit fait jour. Il va absolument rentrer avant la nuit. J'ai des poissons pour la journée. Ok, 9h51, je vais être plein avant, je pense. Il y a un truc qui brille là, est-ce que je peux? Non. La lumière. J'ai pas le bon truc pour. C'est trop peu profond. Cabillaud.
C'est bizarre, je peux pas le bouger ça. Un autre cabillaud. Je peux le tourner ou pas? Pivoter. Pas mal. J'ai eu. C'est épuisé. J'en ai encore à pêcher. Là, je suis fou là. 18h, on rentre. Premier jour de pêche, c'est pas mal. Un prix direct. Une partie de ma pêche sera prise pour amorcer le bateau. Ok. Là, c'est là où je revends mes prises. D'abord tout ramener ici. État avarié. 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 Ah, il est frais celui-là. Il est frais. Ouais. Ok, c'était pas mal. C'est quoi? Ok, charpentière. Ah ouais, 27$ pour rembourser le prêt. Ok, ça va, c'est pas énorme non plus.
Charpentière. Ok, elle va réparer le bateau. Ah, ça fait que les côtes. Ok. Change de moteur. Ok, pour l'instant, rien de très subtil. Recherche, c'est quoi ce truc? Ah, ok. Charge c'est fait. Et merde. Ouais, on se repose, ça sert à rien de. Allez, on va aller pêcher. Je pense pas. C'est au fond. Il est super beau. Si je me remplis le bâton rien qu'avec un spot. On sera pas faire beaucoup de spots parce qu'il est déjà midi. Bon matériel, ça marche pas. Si tu fais ça là. Ok. Est-ce qu'on a un arbre à nous rentrer? Terrible. C'est pas celui-là. Ça va être chaud, ça passe vite tout le temps. C'est pas fameux. Que j'améliore mon bateau là. Mmh.
pousser. C'est pas méchant. Qu'est-ce qu'il dit le table? Un spécial. Alors, pour soigner. Et au fond, ouais. Ok. Alors. Faire mieux. Carte. La carte, elle est où la carte? Le colis, carte. Ouais, c'est en face. J'ai plus loin. Je peux peut-être faire celui-là. Okay. Là, je vais pouvoir le pêcher, je pense. On décale parce que là, on va prendre 50. Ouais.
On va livrer ça. Ça sera fait. $10. Pêche durable. C'est négociant. Ah, les babioles qu'on pêche. Ok. D'accord. Réserve. Ah ouais, on peut mettre ça. Ouais. Tu refiles du temps. Ok. On va aller vendre ce qu'on a pêché. Je n'ai plus de place. Comment acheter un petit loup? $5 il me reste pour c'est pas exceptionnel. Si on va pouvoir aller plus loin, du coup. J'ai épuisé quand même les... Ouais. Ça, faut pas. Parfait ça. Acheter. Ah, si, c'est ça.
ce truc là, ça m'intrigue. Celui-là aussi. Alors, là, j'étais passé l'horaire. Trop panique. Bon, je suis arrivé. C'est bien pour l'instant, ça se développe tranquillement. Ah oui, récupérer des composants, ok. Somme. Ouais, c'est sympathique. C'est plutôt bien fichu. Allez, on va repartir en air, mais du coup. Du coup, on va essayer de le jeter déjà. Il faut. Celui-là, je peux le choper. Ça me finirait la mission. Pourquoi ça brille là? Ah. Oh, c'est super long. Thank you.
Épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va se planter. Qu'est-ce que j'ai vu qui brille là? La carotte achetée. Camillot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre lui. Abomination. Pousselier. Bon, pousselier, je pense qu'on a, voilà, on peut finir la quête. Ah ouais, les poissons bizarres. Mais... Alors, mouchoir. Réserve. Okay. Et lui, qu'est-ce que ça me dit sur celui-là? Vendu. Vendu. C'est plutôt rentable. Hein. Ah, les poissons bizarres. Hmm.
Parce que n'empêche, je pourrais. Ouais. Comme pas grand chose, 10, c'est même plus faible que ce que j'ai. Pour vivre dans les ténèbres. Peut-être l'acheter. Ça sera toujours mieux. Ça dit Kabine. Quête. Ok. Je vais sur la carte aussi. Au sud. Ok, je vois aussi. Elle a grande quand même la map. Hein. Épuisé. Attends, est-ce qu'on peut ici voir encore d'acheter? Ouais, ça se fait, ça peut permettre d'être plus rentable. Grotesque, ça c'est intéressant. Alors, j'ai fait le plein quand même, puis j'ai trouvé un poisson très rare. Enfin, bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il me veut lui? Réserve. Je suis sûr. Ok, il est content. J'ai le mouchoir.
traqué les épaves et les profondeurs. Ça m'intéresse. Là, je prends des risques parce que de nuit, si on dit une cabine, je cherche des reliques. Ce parquet là, j'ai eu mon truc pour draguer les fonds, ça c'est bien ça. Il y a trois quêtes. Déjà, cher celui-là. Cabine. Qu'est-ce que c'est pour dire le truc? Ok. Alors il y a deux quêtes apparemment. Cabine du phare. J'ai une quête. Ah, c'est de nuit qu'il faut y aller. Ok. Et après, il y a la quête architecte. Pointe d'acier, ok, justement. Ah ouais, ils veulent encore des compos, quoi. J'ai vu tout. Ah, il y a encore. Quoi ce bordel? Ça marque les endroits où aller. Ouais, c'est quand même pas mal. J'ai le free d'ailleurs. 411. T'as un peu rien me vendre dans la charpentière. Hein. J'ai rien looté. Ouais.
J'ai pas de réparation, les moteurs sont pas bons. Ok. Alors du coup, il faudrait... On va aller draguer le bord là. Et essayer de trouver ça la nuit. Le temps ne passe que si que quand on bouge le bateau en fait. Ah, ragache. Je vais essayer. Foutu. Gros tissu. Ouais, encore. Épuisé. Bon, je veux pas aller loin. Hein. J'ai 16h. Hein. C'est M la partie. Ouais. Ça va être chaud. Sacré nuit biftec là. Oh, sacré nuit. Ouais, sacré nuit biftec sévère. Ça craint, ouais, de faire ça. Wow.
J'ai trouvé l'objet de quête, par contre je prends pas mal de risques. Si je commence à avoir des hallucinations, je vois moins le truc. Ouais. Après je commence à avoir des épaves et tout. On arrive à l'arrivée. De la lumière aussi, c'est mieux. Compliqué là. On passe. Ça, j'en fais quoi de ça? Voilà, c'est des pièces. J'en avais deux, j'en ai piqué un gros. Faut faire réparer. Putain, il a pété le bateau en fait. Fatigué là. Faut que je dorme max. J'avais, c'était quoi? Ouais. Vous allez voir le collectionneur. Ça m'a monté des stats un peu. Lui, on a pas mal de choses à lui donner au collectionneur. Réserve. Ouais, on va le mettre là. Là, il y a le parchemin et la bague. Bon, on va voir ce qu'il veut récupérer. La clé. L'hérité. C'est pour rénover le navire. Un de plus.
mais ça fait vachement plus loin. Hein. Faut être capable de pouvoir dormir, quoi. Ouais, bon. Sacré voyage là. Fouille de cale. Oh, joli. Écoute. Ça fait quoi ça? 3h, 18 KN. Essayer d'y arriver, mais ça va être compliqué. On y est quasiment, je pourrais m'en arrêter là.
je dorme. Alors. Qu'y a-t-il là? Conga. Congre vieille. Allez. D'accord. Que la nuit en plus. Il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de départs, hein. Il y a eu énormément de départs, il y a forcément un truc qui se passe. C'est assez, c'est limite paranormal. Bon, j'ai dormi. Tab. Message là. C'est pas du tout ça. Cabinet. À faire là. On fait le dragage là. En fait. Ah. Ah. Allez, je peux pas bouger ça. Ok, j'ai pas le choix. Et du coup, ça marquait quoi là? Je sais pas, il me croit. Bravo, hein.
c'est le frère du... D'accord. C'est chaud. Ah. Bien. Faut dormir après, on va essayer de chercher sur la carte. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Reposer quoi. On met ce turbo, le choix, se mettre bien d'équerre là, ça il va falloir tracer. Chemin, c'est pas trop mal. Ça trace quand même ce turbo là. Faire. Comment je peux te voir? Pêcher grand chose, mais ouais, je pourrais pas en prendre plus. Hein. Je suis au max. Oh punaise, oui. Quand je pêche. T'en passe aussi. Qu'est-ce qu'il arrive à mamie?
trouvé celui-là. En réserve. Ok. Cabine, c'est pas ça, câlin. Mais peut-être que je pourrais l'utiliser pour aller câlin sèche. Ça c'est à réserve. Ah, mais j'ai le moteur aussi qui trace, hein. Ça y fait ça. Faut réparer là. Bon. Pour le coup, je vais essayer d'aller au nord un peu. Ce serait plutôt là-bas. Hein. Faut vaguer là. Servir. Oh, il n'y a qu'une dragage ici. On va se poser, mettre dans la cale, et on verra plus tard. Ça, je le sens pas là.
c'est des planches, là. Il manque de planches. On va se reposer. On va essayer de draguer pour les planches. Si je trouve deux planches, je complète la mission. Alors, ça, ah, c'est des planches. Ouch. C'est pas des planches. C'est quoi? Pièce de recherche. Ah oui. Ah si, on va faire. Oh, ça c'est joli ça. Tiens. Ma mission. On va dormir. Prévenir architecte. Je vais essayer de pêcher à l'occasion aussi. Architecte, ok. Cabinet de cadavres. On va essayer de pêcher et de récupérer. Essayer de pêcher, récupérer. Quand même, sur ma gauche, au niveau du phare, donc je peux pêcher tranquillou, me faire un peu de sous là. Ça rapporte toujours de l'argent. Quel lieu. Ça peut le faire. Plus la récompense de l'architecte. Ça peut le faire. Ça passe. Joli celui-là, il est gros. Je peux plus en faire. Ouais, c'est quand même donné un truc intéressant là. L'architecte.
C'est juste le descriptif du phare. Rien d'extraordinaire. C'est quoi ça? Je peux pas mettre beaucoup. Oui, l'architecte. J'ai pas de place. Oui, je peux pas. Je peux pas la faire vendre. Il faut pas racheter ça. Je vais y après. Parce que j'ai pas le choix. On va ranger. Toi aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voulait faire l'architecte? J'ai pas compris. Là. Ah non aussi. Ah c'est passagère. Pointe d'acier, c'est où ça? Ah, pointe d'acier. Ah d'accord, c'est rond là-bas. Tac. Je pense qu'on peut dormir une fois là-bas. Est-ce que je peux pêcher ça? C'est bizarre. Mais deux poissons bizarres. Ça fait beaucoup là. Je peux plus faire grand chose. Je suis bien dans l'axe. Oh, je vais me supplanter. Ça va être chaud patate. Ah, c'est ce que j'avais vu là. Va être chaud. Hein. Un petit détour là. Alors, on le voit pas parce que j'ai la cam devant, mais j'ai une jauge de surfeur. Donc, je dois pas aller trop loin. Faut pas abuser quoi.
parce que j'y suis arrivé. Pas dire de bêtises. Ouais, j'y suis. On va voir si c'est ça. C'est ça. C'est très utile, on va dire. Très utile. Et du coup faut que j'aille installer la recherche. Est-ce qu'on peut pêcher? Il y en a un peu déjà plein, quoi. C'est de voir si je peux acheter la pièce recherchée auparavant là. Sèche, c'est ça là. Alors, l'hydraulique, océan. Voilà, waouh. Ouais, je suis coincé parce que je suis les endroits. Mais je peux pas l'utiliser ça parce que j'ai pas les endroits débloqué. Ouais, je peux coincer là. Mais la recherche, c'est où? C'est où là? Et comment je fais ce point? C'est pas ça? C'est ça, ok. Bon, j'en ai deux. Côte au fond.
côte. Ça c'est Abyss, c'est quoi ça? Ouais, le problème c'est qu'après... Il faut que je débloque celui-là. Il est bien celui-là. Il est 25. C'est pas ça que je voulais faire. 25. Ah ouais, pas mal. Chercher des reliques. Je crois que sur l'homme, j'ai plus rien. Hein. Ah si, j'ai en bas. J'ai en bas. Alors, est-ce que... Trouver la boîte à musique dans les falaises de Souffle-Vent. Aussi. Ah si, si. Ok. Donc là, on est obligé de repartir au sud-est. Chaud quand même. Ça va être très très chaud l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai amélioré le bateau, mais il faut pas me demander comment. Beaucoup plus vite. C'est là. C'est ici. Pas du tout. Et ben. Encore là-bas. Thank you.
se rapproche. On se rapproche. Comment se passe ton petit Valorant? Merci pour le raid. Ah mais il y a Nukem qui est là. Comment il y a Nukem? C'est chaud, ça, je sais pas ce que c'est mais... Bizarre cette histoire. Oh non, j'ai plus de place. Faut rien, ça. Jette. Les gros lags. Faut aller. Ouais, c'est ça, hein. C'est ici, hein. Sur la ferme. Ouais, je suis mort, je peux pas plus le prendre. Tu reprends le boulot demain. Aïe aïe aïe, à quelle heure tu reprends? Repose-toi bien Clem, merci pour le raid. Et bonne nuit. Ah, il y a eu quelque chose. Ah. Ah. Les explosifs, vous mettez le truc. Explosif. Vraiment, Fanon, il en vend. On va se reposer. Lui, hein.
Ça, c'est... Ça, c'est ok. Des explosifs. Dans le t'as de choses hein. Le poison il est dedans mais il va tirer une chose dessus. C'est le pocket, comment il va pocket? Où ça va? Ça de l'eau. Ah ben oui. Il y a plein de trucs à exploser là. Mais le problème c'est que... Ah mais je peux pas, il va me chasser. Lui. Et s'il me suit... C'est mort. Mal déjà. Ouais, il va péter le bateau. C'est de l'esquiver. Hein. Ouais, ça serait ici. Je pense. Je pense que c'est là. Chance. Il veut un truc. Je l'ai. Putain, il m'a pété le. Ok. Comment je peux sortir au mieux là? Faut que je fasse le grand tour. Go. Faut que je lui transmette le blason de ma famille. On va essayer de prendre l'accélération. J'arrive chez Papy Mojo. Vite, vite, vite. Sinon, les bricoles. Ah, purée. Papy Mojo. Oh. Sacré, sacré, sacré. J'ai une lumière. J'ai pas le temps là de. Avant que je me mette. Piqueur. Hein. Je dorme.
c'est chaud. On va dormir un peu et livrer le blason. Le blason, on va le livrer là-bas. Ici, hein, si vous voulez. Comme ça, il va nous aider, papy. Peut-être nous donner des choses. Finalement, c'est chez l'autre qu'il faut l'envoyer. Heureusement, on est à côté. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ok, alors lui il va me permettre de péter les murs pour... Salut Dido, comment vas-tu? Ça va, la journée était plutôt journée réunion, donc c'était... Alors, je donnerai mon avis à la fin, mais c'est vrai que... C'est un petit choc, son petit succès qu'elle est sortie. Je crois que ça fait quoi, quelques mois qu'il est sorti, il me semble. Pour dire une bêtise. Il a été plutôt bien accueilli. Donc en gros, c'est un. On peut qualifier sous ses aspects de jeu de pêche. Je trouve l'univers très très bien. Très bien réalisé. Une petite touche d'RPG. Pour améliorer son bateau. La nuit, apparemment, il faut rester tant que t'es pas bien équipé. Il y a un peu de paranormal. Une espèce de malédiction, un truc qui. Ouais, c'est plutôt bien réalisé. C'est plutôt bien réalisé. Donc. Repos, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire péter les trucs. Ouais. Je serais bien reparti. Ouais. Je suis bien reparti réparer là. Parce que c'est vers le phare, là, c'est ça. Voilà. Alors, lumière. Signer votre présence. Longue vue, lumière la nuit et le turbo. Allez, on est parti.
Il a fait son petit buzz ce jeu. Il a eu un petit buzz. Il a été plutôt très bien accueilli. Les tests sont unanimes. On se promène, la map est grande. On peut pêcher, draguer. Donc vu qu'il permet de voir. Voilà, c'est le maquereau. Il n'y en a pas d'autre. Si, là. Océan. Donc plusieurs niveaux de pêche. À savoir la côte, au fond, océan. Voilà, mais là, son bateau au fur et à mesure. Il faut que je mette en réserve la planche. Oui, j'ai de fric. 570, c'est pas énorme. Hein. J'ai fait plus de quêtes que de pêcher, du coup je ressens le manque à gagner. Chercher des reliques, ça c'est une quête qui va être sur le long cours. Je fais ça. Il faut que je trouve un poisson pourri ou que je le laisse pourrir. Calmar, le merou. Sauter des explosifs placés sur des débris quelque part sur la falaise des souffleurs. Okay. Sauvegarder et quitter. Donc voilà, ouais, un avis tout assez positif. Bon, je dis pas que j'y resterai 15 jours sur le jeu, mais ça reste un bon petit jeu indé. Il est en solde sur Instant Gaming à 16,62€, ce que je vois là. Pas mal. C'est un jeu tranquille, où il faut explorer, faire des quêtes, améliorer son bateau. Qui part avec divers cannes à pêche, minés, moteurs, c'est quand même pas mal. Il y a de l'idée. Ambiance bien traduit. J'ai pas noté de faute majeure dans la traduction. Et plutôt stable. Plutôt léger, très léger. Donc oui. C'est dommage, j'ai pas l'avis de Bad et qui quand même. En général, on aime le même jeu. Moi, je trouve que celui-là était plutôt sympa à jouer. Je sais pas. Moi, je me fie beaucoup
au ressenti, comment dire ça, de durée. C'est-à-dire que je me coupe tout le monde, quand je vois pas le temps passer, c'est que c'est plutôt bon signe. Ouais. Bon petit jeu. Bon, vraiment sympa. Ouais, c'est reposant, c'est... Alors, jeu de pêche, c'est pas trop mon truc, mais il y a une petite... connotation certaine de RPG. Bon, on a envie de savoir un peu l'histoire de Continuum, même si... on n'est pas pris dans une histoire principale, vraiment... voilà. C'est plutôt assez libre d'interprétation. Juste pêcher la journée, la nuit, on a l'impression qu'on a des hallucinations, des bruits bizarres, des grosses bestioles qui nous pètent la coque sous l'eau. Ouais, mais c'est le genre de petit jeu que j'apprécie. Ouais, ouais, très sympa. C'est bien. Après, je pars pas dans l'inconnu parce que certains jeux, je regarde quand même des tests et des retours, même si je regarde le visuel, un peu l'état global du jeu, et mon idée, on se la fait en y jouant. J'ai pas d'a priori en regardant le test. Juste pour mesurer aussi la vigie générale. Demain, on retrouve notre bon vieux Fred. Pour nos sessions de haut, je ne sais pas si on va partir sur du classique, du hardcore, ça dépendra si on croise le belge par là. Sinon, il y a des chances qu'on parte sur le haut classique, le haut normal, hein, parce que moi, ce qui me manque dans le classique et le hardcore, outre la difficulté et dans le hardcore qu'on puisse mourir directement, il me manque quand même pas mal de donjons. C'est pour ça que qu'on s'est mis au normal. Il me manque quand même les donjons. Moi, j'aime beaucoup les donjons dans les RPG, les MMORPG. C'est pour ça que je fais une coupure. Il me fallait du donjon. Get, force. Donc voilà, demain, Fred. Alors, je sais qu'il y avait une poquette, je sais qu'il y avait Dito. Bah, t'en as pas vu ce soir. Étrange. Très étrange. Pas de chatoun non plus. Ils ont pris leur soirée, j'ai l'impression. Mon petit pocketeur. Une enquête. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Repose-toi bien, Pocket. Et Zido, la même. Hein. Voilà. On se retrouve demain avec Fred. Espérant qu'il soit en forme. Ah, tu déménages, Pocket. Tu déménages. Ah. D'accord. Tu vas te rapprocher du travail, j'imagine. Un appart sur Pau. Eh oui, allez, pour te rapprocher. Ça, c'est logique. Ouais. Bon, c'est bien. Il va falloir faire la crémaillère. Allez, reposez-vous bien. Et puis, on se dit bon courage pour demain. Avec Fred. À demain. Bonne nuit. Il y avait Newcam aussi. Bonne nuit, Newcam.